Bonjour à tous, je vais faire une nouvelle dégustation de Tokyo Tree. Ah, comme d'habitude, ah, c'est le thème vacances, beach party. Voilà. Alors, comme d'hab, tout ce qui est dedans. Alors, on va commencer. Ça doit être du riz soufflé enfin, à la crevette, à mon avis. C'est des tout petits mini galettes. C'est pas mal du tout, il y a marqué. Savory shrimp, riz crackers. Ouais, c'est du riz soufflé. Super bon ça. Ça doit être du maïs grillé. En plus, c'est pratique à nourrir. Ça glisse un petit peu. Voilà. Ah ouais, ça sent le maïs grillé. Ça se présente comme ça. Hop. Super bon. Ça a vraiment le goût du maïs. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un kit à faire une boisson que je ferai dans une autre vidéo. Ça s'appelle Sakable Magic Jelly. Ok, bon, on fera une prochaine vidéo. Alors sur ce, ah, ça doit être des cookies au melon, certainement, je pense. Ça se trouve ça. Mini water melon, ouais. Choco chips. Ok. Ça a l'air pas mal. Moi j'aime pas le melon, hein. Pastèque. Melon. Ah, ça sent pastèque. Suis pas fan pour, hein. Non, j'aime pas du tout. Ah non, là. Oh, c'est quoi ça? Des petits chocos. Ça doit être essoufflé, ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Mujico, chocolat, barley, puff. Ouais, bon, ça veut rien dire. Enfin, je comprends pas trop. Ça se présente comme ça, des petits trucs. Ouais, c'est ça. C'est du blé soufflé. Ouais, mais ça, je vais pas faire maintenant. Bon, ça, c'est les Pikachu au chocolat. Hein. Je vais pas l'ouvrir. Bon, si, on va faire quand même celui-là. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Ça doit être à la menthe, des bonbons. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça doit être ça, non? Ça s'appelle Avavavava Pucho Bal Soda. Ah non, c'est au soda. Ah, c'est cool alors. Je pensais que c'était à la menthe. Mais non. Oups. Ça veut pas s'ouvrir. Et hop. Voilà. Ok. On dirait des mochis. Mais c'est dur, quoi. C'est ça en fait. Ça pique. Ça fait les bulles dans la bouche comme si on renverse du coca, ça fait comme ça. Ah ben, ça fait pareil. C'est pour ça qu'ils montent comme ça là. Parce
que ça fait l'effet dans la bouche. Alors, ça, c'est des Poki Coconut. Alors, il dit Summer Annual Coconut Poki. Alors, on va aller voir. Là. Il y a deux sachets dedans. Hein. Voilà. Bon, on n'a pas besoin de ça, mais bon, je prends quand même. Ça sent le chocolat, je sens pas trop de. Ah ouais! On sent bien le coconut. C'est pas mal. Moi qui aime pas la noix de coco, mais ça va. Super bon celui-là aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok. C'est des... à l'ananas, c'est des petits biscuits à l'ananas. Ah, c'est bien marqué. Voilà. Alors, ils appellent ça des bourbons petits pineapple biscuits. Hop là. Voilà, ça se présente des petits trucs comme ça. Ah oui, ça sent l'ananas quoi. Moi, je suis pas trop ananas non plus. Enfin, je suis pas trop fruit. Mais sérieux, ça, ça va. Ça passe. Qu'est-ce que c'est ça? Encore des petits bonbons. Ça doit être un soda. Mais à quoi? Je sais pas, là. On va voir. Alors. Ah, c'est du melon. Melon, crème, soda, candy. Ok, j'aime. À mon avis, ça, j'ai pas aimé. Pas du tout. Ça sent pas le melon ou la pastèque. Ah ouais, mais c'est nouveau les mêmes. Ok, ouais. On dirait que c'est presque les mêmes que... Le sel quand même. Ça sent le melon. Ah, ça vient pas. Vark. Ah. Non. Oh, c'est quoi ça? On dirait des Kit Kat, mais c'est pas des Kit Kat, c'est des barres. On dirait de la glace à la vanille. Alors, c'est marqué Hans Bar Salty Vanille Chocolat. Ok. Voilà. Ça se présente comme ça. Hein. Je sais pas si vous l'avez montré. Oula, ça doit être un peu fondu. Hein. Comme ça. Ah, même pas. Peut-être un tout petit peu. Voilà. Fondu. Alors. J'aime pas trop le chocolat blanc. Et là, avec la vanille, ça sent vraiment le chocolat blanc, quoi. Alors, on va regarder pour le Fanta. Ils disent pas à quoi c'est, mais si c'est comme melon ou pastèque, bah. Voilà, il y a marqué plus E. Ah non, j'y viens de voir, il y a marqué kiwi là. Là, il y a marqué kiwi. Ah, bah c'est cool, ça change. Ils disent quoi? Kiwi Fanta plus E. Ouais, c'est ça.
Fait des bulles. Même la petite fumée. Ça sent bon en tout cas. Ouais, ça va, c'est pas mal, hein. Ça change le goût. Non, super bon. C'est pas trop. On dirait presque du jus de pomme. Ça, il n'y a même pas de bulle en fait, tellement. Non, c'est nickel. Alors. Oh, une petite surprise. Ça s'appelle Kishikat. Ok, il y a plusieurs sortes en fait, là. Là. Et moi, je le crie. Ils disent quoi de ça? Rien de spécial? Non, il n'y a pas de page spéciale pour. Ok. Dommage. Ouais, non. Alors, on va l'ouvrir. Oh là, ça se comment? Ah oui. Okay. Ah, c'est bizarre, c'est tout gluant. On dirait carrément un genre mochi. Il est tout. Tout mou. Ah oui, on dirait un mushi carrément. Il est trop chou. Ah, j'adore. Yeah. Elle est trop bien. Bon, on va le remettre dans son petit truc. Hop, hop. Un petit cadeau reçu avec. Hop, on va le mettre ici. Et voilà, j'accorde ça à déguster. Bon, j'enlève la truc parce que de toute façon, il n'y a plus rien dedans. Hop. Ça fait un peu de place. Hop. Ça s'ouvre comment? Pas ouvert correctement quoi, mais ce n'est pas là. Bon, je vais tout sortir déjà. Hop hop. Oui, ceux-là je les connais, c'est trop bon. C'est ceux-là, je les avais l'année enfin le mois dernier. C'est des petits gâteaux coca. Non, ça, je vais pas les ouvrir alors. Par contre, ça oui, mais ça doit être du calamar. Ça, on va goûter. Hein. Et là, ils disent pas quoi. Ils disent seulement c'est. Ils disent Dakashi Bak. Là. Ils disent pas qu'est-ce qu'il y a dedans en fait. Alors, on va goûter comme ça quoi. Oups. En tout cas, ça sent fort. On va essayer. Ça sent le poisson. Rien de spécial. Ah. Ça, je ne sais pas. On va voir. Ah oui. Ça, des petits trucs. Ça l'est, ça, certainement. Ça n'a pas de goût. Je peux pas vous dire le goût, il n'y a pas de goût. Alors un homemade bowl. Voilà, bon, je vais pas l'ouvrir. Hein. Et en plus, il n'y a pas marqué le goût. Et là-dedans, il y a un petit. Comme un genre de petit donut au bonbon, quoi. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Au revoir.